Eh bien bonjour à tous tout le monde, c'est Draco. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Sekiro Shadow Die Twice pour explorer les toits et mettez-vous bien, prenez un petit truc à manger, à boire. Et c'est parti. Ok, ça mène ici. Je sais toujours pas à quoi sert cette zone. Moi, j'enchaîne directement les parties. Donc, allez là. L'autre sur le toit là qui vient. Oh là, ça fait très très mal. Belle société. Ça n'a pas marché. Je vais aller par là d'abord. Ok, ok, très bien. Ah ouais, mais là... Là, ils sont combien, là? Donc les ennemis qui étaient dans le ciel là, ils sont où du coup? C'est pas un bon endroit ça. Il est où? Il est là. Oh, ils sont plusieurs. Mais ça me touche? Apparemment, ça touche bien. Hein. Apparemment, ça toucherait bien.
Ouais. Puis comment je monte plus haut là? Il est où? Ok, lui il arrive. Vas-y, viens. Non, je voulais récupérer de la vie. Boulette. C'est bien ce que j'avais cru voir, une fenêtre. Donc lui il s'est kamikaze. Et non pas Kazekage ou Kazokage. Donc la de petits recoins comme ça. On part à droite, mais il y a ce côté là aussi où j'ai pas été. Tiens, il y en a un là. Je fuis. Lui va exploser en toupie là. Ouais, mais là ils sont vachés. Non, ils sont trop nombreux là, ils sont trop nombreux. Donne-moi de la vie. Bah, il avait pas. Il s'était pas kamikaze lui. Pourtant si. Hein. Qu'est-ce que cette zone? Ah, c'est chaud quand même. Ça pourrait être dingue, mais bon. Mais je comprends parce que j'en ai vu un et il y en a deux qui sont venus. Donc bah ça fait mal. Thank you.
Alors cette zone est complètement dingue. Cette zone est fichtrement. Un petit bond pour récupérer l'emblème. Je remonte par là, ok. Sautez là. Ah non, je peux pas. Oh bah je peux pas. Hein. Que voulez-vous? Ah je sais pas, je me suis pris combien de fusils là. Lui il est pas là-bas, c'est bizarre, il y en avait un. Là je pourrais y aller? Oui je peux y aller. Attendez. Ah non c'est pas une personne, c'est les feuilles de l'arbre. Donc faut que j'y aille pas. Je peux pas m'accrocher en face là? Attendez, je pense que là je peux. Bref. Ouais. Écoute, si tu veux. Si tu veux. Ah oui, voilà, l'œil il est là lui. Mais du coup, faut que j'aille. Faut que je passe de l'autre côté. Oui, il faut que je passe de l'autre côté. Donc de ce côté-là. De préférence en discrétion. Je peux peut-être aller par là. Mais faudrait que je saute. Allez, salut. Donc lui, il va toujours être là, si j'ai bien compris.
Un chakra pop, lui, il est là, quoi. Donc ça, c'est le chemin du bas. Et pendant que je repars d'en bas, je peux pas regarder en haut. Très bien. Non. J'allais dire, si là tu tombes, tu peux être mal. Je pense que tu peux être plutôt mal. C'est quoi ça en bas? Attendez, je tente de comprendre. Il est là, 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 il est là. Je vais le suivre. Let's go! Mais je sais pas, c'est... Je peux pas aller... Mais... Ah, c'est ça les fumées dont il parle? Ouais, je vois des fumées, là. C'est ça les fumées dont il parle? Ok, là, t'es là. Bon, bah, t'es venu là, tu kiffes, hein, puis... t'as une belle vue. Mais je me demande si tout ce que on voit, on peut y aller. Par exemple, là-bas, la montagne, on pourra y aller. Je sais pas. Oh non, l'architecture, là, ils l'ont travaillé. Ils étaient bien vénères. Ils l'ont travaillé vénère, l'architecture, là. L'architecture, là, elle rigole pas du tout. Lui, il va alerter tout le monde en tombant. Donc, je sais pas combien ils vont être. Il ou l'autre? Il est tombé, il est parti, il est... Qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre là? J'ai pas vu. Oula! La cam elle était flex là. J'ai rien fait, ça bougeait tout seul. Oh, il y a des poissons, il y a des carpes là. Ah ouais, des écailles. Mais comment aller dans cet endroit? En passant normal. Ça se peut, je loupe des trucs là. Autour des étages en bas, ça se peut, je loupe des choses là. Ah, je peux voir à l'intérieur là, ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ah oh, mais il s'est accroché où je voulais pas. Mais bon. Mais je sais pas... On peut rentrer dans le château bah, si je descends, potentiellement, je peux y aller, là. Bon. Bah, disons que je me suis fait mal et puis c'est tout.
tu faisais, il y avait quoi dans ce coin-là? Pourquoi t'étais là comme ça, toi, à contempler le vide là, le mur? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il est où? Il est où? Et du coup, ça mène où ça? Ouh là 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 là, c'est Ok, ça mène là où je... Ah! J'avais cru voir quelqu'un, mais non. Donc Il y en a combien des geckos là? Je pense que c'est des geckos qui sont dans la turpitude. Ils se demandent, ils se posent beaucoup de questions, je pense. Qu'est-ce qu'ils foutent là? À mon avis, ils savent pas. Hein. Ils savent pas concrètement, ils savent pas. Mais bon, il y a un lac, on y va. Y'a pas de carpe? C'est que des poissons Ah, il a un point rouge lui. J'avais pas remarqué d'autres points rouges chez les autres. Je sais pas ce que ça veut signifier. En tout cas, il remonte pas à la surface. Non mais à chaque fois, ils vont me péter mon espionnage. C'est dingue ça. Alors, ils m'ont vu. Ah, ils oublient vite quand même. C'est le genre de soldats qui oublient vite. Hein. Le genre de guerre. Enfin, ce sont même pas des guerriers. Ça oublie vite. Ça oublie vite. Donc, il faut aller dans les hautes herbes. Voilà. Et les espionner dans les hautes herbes, si j'ai bien compris. Voilà. Vous dites que nous n'avons pas assez de sel. Oui, Général. On s'en sert pour faire à manger, bien sûr. Mais aussi sur les blessures, et pour purifier les morts. Et à la vitesse à laquelle les gens meurent? On a épuisé nos stocks, alors? Oui, Général. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui tombe malade sur le champ de bataille. Je vois. Dans ce cas, nous devons trouver un moyen de récupérer du sel. Récupérer du sel? Ce serait quoi l'intérêt qu'on ait cette information? Ça servira à quoi qu'on ait cette information? Il m'a touché. Ok. Non, je voulais pas tomber dans l'eau. Ce qui m'a suivi. Ok, il a un sabre long. Oh. Voilà. Donc ça peut être très redoutable.
Oh, coup de pied, bien joué. Non, je l'avais là. Je pense peut-être que le général, c'est quelqu'un qui va repop à chaque fois. Donc si je vais par là, ça mène où ça? Oh non, mais il y a encore quelqu'un avec sa lance là. C'est pas possible ça. Bon, si je vais de l'autre côté. C'est la classe. C'est la classe. C'est la classe. C'est la classe Suzette. Oh, il y a quelqu'un. Ah, des espèces de babouins. Et voilà pourquoi je parlais de babouins. Eh ben, il y a des babouins. Ces espèces de macaques. Et il a crié, il a alerté à tout le monde maintenant. Ils font mal hein. Oh comment ils font mal, c'est un truc de ouf. C'est juste des petits macaques. Petit macaque mais j'ai plus de gourde. Faudra un Bouddha. Attendez, je sens qu'on arrive quelque part d'important. Je sens qu'on arrive à un lieu. Je sens qu'on arrive à un lieu important là. Oh là là, ça a l'air d'être un passage. Ça, je pense. Je sais pas, je sens qu'il va y avoir une cinématique. Oh oui, un Bouddha, donc cinématique. Ah, ballon mi-bout d'esprit. Je pense que j'en avais jamais eu. Un ballon mi-bout rempli d'eau de source qui profite d'une bénédiction de compassion. Si vous faites exploser le ballon noir et blanc en priant, tous ceux qui sont baignés de son eau gagneront temporairement plus d'emblèmes spirituels. Ce ballon témoigne de la tristesse qu'on ressent pour des proches disparus et des moulins rouges et blancs sont offerts en souvenir. Ok. Donc premier ballon mi-bout d'esprit. Premier babounos. On peut aller sur le toit, très très bien. L'idole, enfin le sculpteur, il les a quand même bien placés ces idoles. Hein. C'est vraiment bien... Vraiment bien placé ces idoles là. Donc, voilà ça que je voulais voir. 20 boulettes. Ouais, j'ai utilisé pas mal de boulettes. C'est la boulette. Hein. C'est la boulette, c'est la boulette. Je vais acquérir des compétences. Ça vaut 3. Bah, je prends ça. Voilà. Allez. Voilà. Comme ça, c'est fait. Là, j'ai les 3 de ce côté-là. De se souvenir de tous ces...
Vas-y, mets-toi sur le... Ok. Donc compétence apprise, non, non, c'est par là. Ok, il y a un objet. Je fais le tour. Je me pose des questions si j'avais fait le tour de la cour. Ah ouais, donc là on peut tomber Ah ouais. Ok. C'est sévère. Et j'ai pas été Je sais pas si je pourrais revenir. Enfin si je pourrais revenir avec l'idole du scooter, mais Foi d'anguille, un remède miraculeux capable de bannir les éclairs. Offert à l'hôtel du clan Ashina, réduit grandement la masse de dégâts reçus des attaques d'éclairs, ainsi que l'altération d'état choc. L'éclair est une force des dieux. Les anguilles, bien que petites, sont de la famille des dragons. Même la force d'un dieu peut être supprimée, mais sans doute pas pour longtemps. Très très bien ça. Exactement. Oh, j'ai mal aux yeux là. Oulala, c'est Je sais pas comment ça se fait là. C'est pas vraiment mal aux yeux, c'est Mal de tête, mal de testas. Il y a des flammes bleues, mais ça a pas l'air d'être une idole du scooter. Est-ce que je peux... Non mais là je vais complètement complètement retomber là. C'est parti. Si c'est une idole. Ça a l'air. Y'a quoi en face? Ok, y a rien en face. Sauter. C'est un ennemi. Il se tourne. Je sais pas si je peux y aller en sautant. Vu qu'il s'est tourné, ce serait une bonne occasion d'y aller. Oh, j'ai cru que c'était... Ok. Ah tiens, il y a un chemin. Allez, je découvre la statue comme ça, c'est fait. Valet englouti. Les cendres durcies ensemble et jetées sur l'ennemi pour le distraire temporairement. Encore quelqu'un avec un cas. Ok. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un là-bas. Je pense que je peux y aller. Mais je peux pas le... Ok, ils sont quand même assez Et y a quoi ici? On dirait un endroit pour s'accrocher ça. Non parce que là si tu tombes c'est le vide hein. Donc ce lieu. Voilà. C'est clairement pour aller là. On est d'accord.
Je me suis accroché. Je me suis accroché. Mais pourquoi il va pas s'accrocher? Tu peux t'accrocher là, c'est sûr. Ils n'auraient pas encore mis un endroit comme ça, juste puis il y a rien. Ben non, voilà, on peut y aller. Vous voyez bien, il y a au bout. C'est juste que je comprends pas pourquoi il veut pas s'accrocher. Mais il y a marqué se suspendre, vous avez vu? Et j'appuie. C'est un truc de ouf. Ben voilà, ben là ça a marché. Donc peut-être qu'il fallait être obligatoirement être en train de courir. Et là du coup. Et là. Ah ouais, mais y a un petit passage là. Y a un petit passage là, non? Ok, non. Le jeu commence à être fourni là. Alentour d'Ashina, ah bon? Et on serait où? Exactement. Parce que cet endroit, j'y suis clairement pas allé, ça me dit rien du tout là. Et puis en plus il y a des sacoches, donc non, c'est juste. Il a l'air d'avoir personne, j'y vais. J'ai plus de gourde à cause de ce saut. J'entends quelqu'un. Vous avez entendu? Est-ce que vous entendez? Vous voyez? Voilà. Perle de chapelet, une perle de chapelet, on en fait 4. C'est de la bombe! Ok, je peux certainement retourner par là. Poudre de témérité, un remède utilisé par ceux qui côtoient les morts. Réduit l'accumulation de terreur et augmente la résistance à cet effet. Que ce soit les gardes des cimetières, les bourreaux ou les pilleurs, tous ceux qui côtoient les morts en ont sous la main. Ils suivent aussi une règle simple. Si la terreur vous prend, cachez-vous. Je sais pas si je peux y aller. Et en plus, si j'y vais, je sais pas, ça me tue direct. Apparemment, ce serait le seul moyen pour... Ok, poudre de témérité. L'effet de glace est quand même vachement bien fait. Donc il y aurait que ça ici. Bah, c'était quand même cool hein, une paire de chapelets. Ça fait plaisir. Et j'aimerais bien repartir de cette zone en n'ayant rien oublié. Zappé de prendre comme objet. Parce que j'ai demandé un objet. Et là.
Ah bah c'est là où je m'apprête à retourner. Très bien. Donc allons-y. On y retourne. Me suspendre, non. Je peux descendre comme ça. Là c'est pareil, je peux sauter. Je tente, parce qu'il faut le tenter. Pour le savoir, donc voilà. Donc au moins maintenant... Ah, ah. Ok, je pourrais... Apparemment, je peux pas remonter plus haut. Je sais pas si l'effet de chute se cumule, s'additionne. Donc je me repose, je regagne mes gourdes. Et écoutez tout le monde, on va se laisser là. On explorera plus profondément la prochaine fois. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.